Ok. Mais what? Bah, merci, merci du message. Bah, c'est super. Les bons logiciels qui modifient des trucs tout seul comme ça du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi il s'était remis sur micro par défaut. Ah, ça me trigger un peu les trucs comme ça. Salut Soleil du Nord. Putain, du coup si je veux que... Bref. Bah, si jamais ce draft va en vidéo, ça va être un peu gênant. Dis donc top 15, belle brute. Ouais, ça se passe bien pour l'instant. Mais putain, je comprends pas pourquoi des fois il se fera. Faut tout vérifier, ma parole, avant de lancer un stream. Vraiment tout, même les trucs qui normalement sont pas à vérifier. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. Il y avait de la musique à la place. Ouais, mais bon. Je préférais à la rigueur que la musique ne marche pas plutôt que l'inverse, quoi. C'est incompréhensible. Mais bref. Ah, c'est trop tard, hein, c'est pas grave. Ah. Je croirais dans Terminator, no joke, les machines, elles ont une volonté, elles font ce qu'ils... Je sais pas, des fois, elles ont des pétages de câbles. Les logiciels, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Je sais pas. Ça me dépasse. C'est pas la première fois que ça m'arrive en plus, mais pourtant j'ai pas mis à jour le logiciel, j'ai rien touché, rien. J'ai fait absolument tout comme d'hab, mais bref. Du coup, ici, je sais pas quoi prendre. Les trois sont ok en fait, c'est. C'est un petit peu délicat là. Shore up, pour le moment, j'ai rien d'incroyable à protéger. Après, ça peut être un bon truc pour saison. Pour assurer d'avoir une créature copiable. Tu as mentor déjà, ça justifie presque Shore-up. Ouais. Mais pas seulement. Après, c'est pas très grave si un mentor se fait gérer, mais j'aime bien avec la saison aussi. Ça fait beaucoup d'arguments. Ouais, moi bah, je peux le prendre. Je sais que ça m'arrive aussi quand je branche une manette de PS5, vu qu'il y a un micro intégré, ça nique tout. Ouais, non, mais là, j'ai rien. Ça, je sais, quand il y a des périphériques qui arrivent, le PC il peut ou la console, peu importe, peut décider d'un changement, mais là, j'ai rien touché du tout. J'ai pas rajouté le moindre périphérique, rien. Donc, je comprends pas d'où ça sort. Je suis très très déçu de voir cette Zoraline maintenant, mais bon, on va devoir laisser passer. Hein. Pas le choix. Après, il y a Glouton qui est ok. C'est Glouton ou Taupe? Je dirais quand même Glouton. Surtout que ça marche très très bien avec les effets de retour sur le board pour remettre des marqueurs, refight, redétruire des choses, copier sur saison. What the fuck? Pense que c'est quand même Glouton numéro 2. Après, il y a encore une Frog. Ça, c'est ok, mais ça marchera pas sur saison. Ça marchera pas là-dessus. Shore-up, en général, c'est pas un truc. Ça, c'est pas des spells qu'on a envie d'aller chercher. Je pense qu'il est moins bon ici que les deux autres. Reste à savoir si je veux une grenouille de plus pour faire mumuse ou un deuxième glouton. Au risque il contre ou draw 2, ça irait, mais attends. Ouais, non, mais là je suis pas. Je l'aurais pick quand même s'il y avait des cartes vachement moins fortes à côté. Mais ça, c'est tellement puissant que Osef. Hein.
le prends pas. J'ai un peu peur avec le deuxième glouton. Là, on va être lourd. Hein. Après, c'est vrai que c'est fat. Ça marche très très bien avec ce qu'on joue. Ça, il y a un monde où ça dégage. Et 4 grenouilles, c'est peut-être un peu trop. Ouais. Holy. Scribe tous les jours. Écureuil. Ça marche bien d'ailleurs potentiellement avec les grenouilles. On va le faire revenir sur le board. Le reste des cartes m'intéresse pas trop. Le village. Cash grab. J'aime bien cash grab. Surtout que là, bah ça, a priori, on n'a pas envie de garder. Ça nous fait un bon T2. 14 cartes. Ouais. Le land, je sais que c'était fort, hein, mais. Ok, ça c'est cool. Ah, le jeu aussi me trigger là. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Le jeu, les logiciels. Il n'y a aucun monde où je joue ça. Ouais, ça peut être, allez. Ok. Voilà. Ah. C'est toujours pas bon. Hein. Non. Voilà, on a cash grab. Mais bon, c'est trop. Trop situationnel et trop lourd. Je pense qu'il faut le duo. T5, c'est un peu cher. Mais après, c'est vrai que ça, c'est strong avec Glouton, lui, ça. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, troisième show-up. C'est nimp. Ah. Là pour le coup je pense que c'est grenouille. Hein. On va avoir des petits problèmes de early game et le late game est bien bien trop chargé. Après c'est dommage parce que c'est très très fort. Hein. Ça pourrait, ceci dit, ça pourrait remplacer un duo. Yo, Jafetit, tu n'as pas de problème de... quand tu n'as pas de early game. Bon, on a du early quand même. On a des créatures, on a cash grab, on a des trucs à faire en early. Mais derrière, faut jouer tour 3, quoi. Ouais. Fight, ça c'est bien, mais on a refusé les autres trucs là, donc... Moi je pense qu'ici c'est fight. Les removals sont très importants. Il y a Lilypad. C'est pas le meilleur land. Il me faut un fight. Oh, ça c'est bien. Ish. Prophète, alors il y a full bonne carte, mais le rat est très très cool, le cerf aussi, mieux que ça d'ailleurs, mieux que le rat d'ailleurs, mais vu le deck que j'ai, je pense que c'est prophète tous les jours. Problème de early, on a quand même beaucoup de synergie avec. Ouais. Ah, arrête de mettre les cartes de l'autre côté, toi.
Ouais. J'hésite. Est-ce que ça fait pas un peu trop là en grenouille? On commence à avoir des bons trucs en early. Il y a un monde où c'est plutôt le removal, hein. C'est super important les removals. Après, n'oublions pas qu'on a lui. Ouais, c'est pas suffisant. Cougar, fight. On n'a pas assez de removal, je pense. Mais. Ah. Ah. J'ai combien d'effets de retour sur le board? Un, deux, trois, quatre, cinq. Pour 5 créatures qu'on veut faire revenir, parfois 6, 7, 8. On a plus de créatures qui reviennent, qui sont intéressantes à faire revenir que de proc pour faire revenir. Donc je pense que c'est bon. On n'est pas obligé de forcer la grenouille. Ah, oh, tout est cool, c'est chiant. Ouais. Le deck est complet par contre. On a même une carte à cut. Ok, il faut que je réfléchisse à ça. Ouais, la gestion. Je pense qu'il faut enlever un shore up. Surtout que maintenant on a eu le bird. Ah, il me faut ce removal. Trop fort. Bah. Ah. Dégueulasse. Dommage. Full bonne carte dans un booster et derrière le néant. Voilà. Non mais c'est chiant, putain. Ah. Va forcément être 17 landes, je pense. Ah, j'aime bien ça. Les deux, j'aime bien en fait. Après, duo, on l'a dit, avec saison, on peut faire des grosses, grosses, grosses dingueries. Je pense que c'est duo. Ouais, fuck it, hein. Les shore up, c'est bien beau, mais. Ok. Crois qu'on va virer des trucs comme ça, là. Ok, ça c'est bien. Osef. Faut enlever deux cartes. Salut Sposito! Peu de chance qu'on se croise. Alors on va voir ça. Hein. Curious, ouais. Attendez, on a quoi comme synergie Frog? Je crois que j'en ai pas, donc lui il pourrait bouger clairement. J'en ai pas. Il est si bien que ça, l'Arto change nain. Bah du coup, en vrai si, ouais, il est pas mal, mais là on peut clairement l'enlever. Surtout que niveau gestion de fly, on n'aura pas trop de problèmes. Hein. On a removal, un fly, removal, portée, ça pour réduire, gestion, removal, portée. Normalement, on devrait être bon à ce niveau. Ouais, je pense qu'il bouge, il y a pas de. J'ai zéro synergie avec lui dans le deck là. Aucun intérêt. Ça, c'est un tour 3. Ça pourrait être l'écureuil, honnêtement.
Après, si j'enlève l'écureuil, le cash grab devient un peu... devient un peu naze. Parce que remplir le cimetière, on n'a aucun intérêt. Ah, après, pour lui, ouais. Est-ce que c'est suffisant comme argument? Surtout qu'on peut me laisser zone et ne jamais la retrouver. Ah, ça me plaît pas. Cash grab, il dégage. Du coup, j'ai zéro food et on a rarement des cartes à exiler. Ah, après, c'est vrai que ouais, pour lui... ok, cash grab, en fait, faut, si je le joue, faut que ça aille avec ça forcément, mais... On est trop juste. Ouais. Alors c'est sur up qui bouge. Ouais, mais ça me plaît moyennement. J'ai l'impression qu'il faut les bouger. Limite, du coup, lui est mieux. Manque de T2, mais en même temps... Ah ouais, c'est pour ça que le cash grab est cool. Curvé un minimum. Je peux rentrer ça, mais c'est pas ouf, hein. Un bird. C'est vrai qu'on peut faire des bêtises avec l'écureuil. Hein. Vu qu'on peut le faire revenir. Bon, après, il va falloir exiler des cartes du cimetière en boucle, mais c'est possible. Ah, c'est un peu chaud. C'est ça qu'il faudrait garder lui aussi, mais si je garde lui, même problème, qu'est-ce que je fais du reste, quoi? Est-ce que je vire ça? Des beaux trucs à copier en A, je réfléchis aux synergies qu'on pourrait faire, mais... Ça, c'est vraiment bof.
J'ai 6 cartes que je peux pas récup dessus. 5 parce qu'elles-mêmes ne se comptent pas. Il y en a quelques-unes aux F. Ouais, il n'y a que la saison qui me punit, mais c'est pas très très grave. Ça arrivera pas souvent. Limite, en vrai, faut enlever juste ça et laisser un Dazzling. Un peu plus de gestion, plus de tour 2. Tant pis si on n'a pas de bird au moment où on veut le jouer. Il y aura forcément quand même un truc à faire avec. Du coup, ça peut être un argument pour laisser ça. Bon, les couleurs, on s'en fout. Pour avoir un bird de plus et une portée de plus. C'est vrai que de gérer les fly, c'est souvent important. Malgré que ce soit très fort. Ah, c'est vraiment pas évident ici, hein. On n'a pas de spoiler qu'on veut absolument protéger avec Shore Up. Bah, on a quand même des belles bêtes, hein. On veut pas se faire punir sur le proc de la saison. On veut pas se faire punir au moment où on essaye de remonter un truc dans notre main. Ou sur le de le remettre sur le board. Mais c'est vrai que j'ai le piaf. Dazzling est mieux. Il faut avoir des trucs à faire. Après, en early, en vrai, je suis peut-être un peu bloqué sur le T2. On n'est pas censé jouer ultra vite. Et on a surtout des T1. Pas évident, je sais que le deck est bon, mais c'est pas évident de vraiment se décider sur comment optimiser à fond. A priori, en late game, on est monstrueusement fort. Le défaut, c'est plutôt l'early game. Ça m'aide pas. Déjà, c'est un tour 3. En vrai, c'est un des rares tours 3 du deck qui va rien faire, qui est pas jouable au tour 3. C'est lent, situationnel, ça fait de la value, mais est-ce que j'ai besoin de value? Non. Go dégager ça. 100%. C'est soit je garde Dazzling avec lui. Soit les deux, j'imagine. C'est un truc du genre qu'on fait. Ouais, du coup, en vrai, c'était bien comme ça. Hein. Ah, lui, j'ai quand même envie de le garder et c'est un bon tour 3. Ah, ou alors, on peut faire Dazzling backs. Back form, bark form, au lieu des deux. Mais je suis pas très convaincu. Est-ce que j'ai un truc qui mélange ma bibliothèque? Bonne question, mais non, j'ai rien. Ça empêche de potentiellement de perdre à la meule.
Et je pense qu'on va rarement aller jusque-là. Hein. Ah, si j'enlève lui, je peux enlever Cash Grab aussi. Ou alors je cut le shore up. Et Cash Grab. Et on garde les deux T3. Ça. Ah, c'est vrai que c'est des trucs qui font rien en early. Hein. Qu'est-ce que je rate dans le deck? Passe peut-être à côté d'un truc. Ah, shore up, je pense que ça doit bouger. Ah, au pire, juste tant pis, hein, je peux garder les deux là et Osef le Dazzling. On se dit qu'on n'a pas absolument besoin de ça en tour de tour 2 et que c'est souvent situationnel. Pas sûr à 100%, mais compliqué. Du coup, c'est quoi? C'est l'écureuil. On a fait bouger deux cartes faibles et l'écureuil. Ouais, l'écureuil, de toute façon, je l'ai dit, c'est chiant à jouer. Bref, ça skip quand même, mais. De toute façon, ouais, il y a peu d'early game. On aura rarement mieux comme main. Ouais, bon, au moins ça joue curvé, T3, T4, T5. Et on a les manas nécessaires. Ok. C'est peut-être un peu mieux dans ce sens-là. Oui. J'aime bien. Saisie de cash, scribe. Tour 5, on fait ça. Et tour 6, on pourra faire la progéniture. C'est un peu mieux pour optimiser ça. Sachant que là, bon, paralyser une 2-2, ça changera pas grand-chose. Elle peut donner célérité, mais on s'en fout, nous. On est devant en termes de dégâts et de board. Il peut pas vraiment m'agresser. Et si tu veux. Peut péter ça. Mettre un marqueur. Je pense qu'il faut péter ça. Parce que la 3-3 est chiante pour nos 2-3. Ok. Ouais,
Ou alors OZEF et on met un marqueur là. En se disant qu'en plus ça c'est censé donner célérité. Ah. On pourrait aussi faire ça et ça. Le glouton met plus de pression. J'aime bien l'idée d'être sûr d'avoir mon land. Ok. Pour pouvoir faire ça. Et on peut trouver une meilleure utilisation avec le glouton. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire. Ouais. Un peu chiant. Je pourrais encaisser les deux. Et faire glouton au prochain tour. Flagellateur et embourine. Ouais. Ça me semble possible pour win la game. Ah! Attendez. Mais oui, non, c'est même mieux comme ça en fait. OZEF de sa 3-3, juste mettre deux marqueurs dessus, c'est mieux. Sur une 5-5. Là, je pense qu'on prend le trade. Et encore, c'est même pas sûr. On a un removal, de quoi se soigner. Il y a un monde où juste j'accepte le trade hein, s'il attaque. Surtout que nous, on a l'étal sur le board. S'il attaque, il a perdu. Il attaque pas. 7 mana. Ça, c'est un problème. Je peux pas attaquer. Avec mes 3-3. Ok. Dégage-moi ça. Et là, du coup, je préfère faire ça. Ici. Et on envoie même là 1-1, je pense, OZEF. De toute façon, s'il bloque pas une des 3-3, il est mort. Donc, c'est un dégât gratuit, ça. 2 PV. Il y a tout ça à gérer. Je peux encore me soigner. Il peut se soigner aussi. Faut le garder à l'esprit, ça. J'ai bien fait de paralyser L2 tour. La 3-3 a servi à rien. De toute façon, il n'avait pas attaqué avec, donc. Ah, par contre, j'avais l'étal, je crois, si j'avais bloqué l'autre. Ouais, il y avait l'étal. Ah. Je sais pas si je sacrifie grenouille ou food. Ah, food. Grenouille peut bloquer et représenter 3 PV aussi. Il est obligé de garder deux pour se soigner. Il y a l'étal du coup. Je vais rien lui dire parce qu'il est relou, mais je vais me faire perdre encore plus de temps. Il y a échec et mat là normalement. Vois pas comment il gagne. Enfin, comment il survit à ce tour. S'il fait un removal, il meurt. S'il se soigne, il meurt. Bon, je vais dire bonjour quand même.
Ah, vous êtes chiant, les gars, à faire ça. C'est dur d'appuyer sur capitu, concéder avant de se barrer, franchement. Capituler, MDR. Pourquoi MDR? Ça vient d'Hearthstone, normalement, capituler. Un joueur d'Hearthstone avant d'être un joueur Magic. Des fois, il y a des termes qui se mélangent. Comme quand je dis que j'ai l'initiative. Oh, je pouvais même mettre le marqueur ici, mais c'est pareil. Initiative, ça vient d'Hearthstone. Ça veut dire qu'on est sur le play, on commence quoi. Bref, ils sont quand même casse-couilles. Que ce soit concéder, capituler, tout ce que vous voulez. Ah, faut cliquer sur un bouton, les gars. Mais pas la grenouille tout de suite. Perso, je m'en fous un peu. Ah, moi, je m'en fous pas, moi. C'est relou, genre, je sais pas, c'est une question de principe, de geste. Ils ont pas foutu de cliquer sur un bouton et ça te fait perdre 2 à 3 minutes bêtement. Si tout le monde faisait ça, ce serait injouable, le Magic, hein. Ce serait littéralement injouable. Et après un oppo qui se fout de ma gueule. Le mana. Si ça permet de décompresser. Écoute, si pour décompresser, les gens ont besoin de faire chier les autres, moi j'appelle ça être un enfoiré, mais bon. Chacun son point de vue. Personnellement, je trouve que c'est dégueulasse. Si le bonheur des gens se résume à faire chier les autres, eh ben. Ouais, casse-couille, mais j'ai pas le choix, je dois faire ça pour pas mourir trop vite. Là, on perd sur la sortie full mana. 7 landes sur 12 cartes. Oh,
Well played. Alors, on a 8 lands sur 12 cartes et on n'a pas une seule carte de late game. Je sais... Bref. Allez, go next. Salut Torux. Bon. Allez Magic, est-ce que cette fois-ci je peux avoir une game où j'ai l'impression de jouer à un jeu quoi? Où je tombe pas contre un mec qui s'amuse à me faire chier parce qu'il rage. Into game ingagnable. Parce qu'on pioche que des landes. Est-ce qu'on peut jouer à Magic ici? Accessoirement. Mais vraiment accessoirement. Salut Reggie. Ok. Ça c'est bien. Tour 3, tour 4. Comment est l'humeur? Bah ça va pour l'instant, mais... Même hier, hein, techniquement, j'étais de bonne humeur. C'est juste que les games sont ch étaient chiantes, quoi. Voilà, ça commence. On sait pas trop encore ce que va me réserver cette journée. On va voir. Et toi, comment vas-tu? Ok. Ça, on va le poser, c'est sûr. Du coup, j'ai envie de garder elle. Je pourrais attaquer, mais la parade 1, c'est cool. Mono Red et leur vivance. Du coup, je fais une pause. Ouais. Ça me manque pas le standard. J'en ai fait pourtant ce matin un petit peu, mais. Froid. L'impression de m'éclater les burnes avec un marteau en faisant du standard. No joke. Tu poses 3 terrains, t'as perdu. Non mais c'est abusé. Oh, bah ce matin, j'ai même perdu en ayant posé un terrain. Le fameux Boros Convoque qui te fait la sortie... Inspecteur postulant, into gardienne, into démolition, mes couilles. Là, ça fait des gobelins, into 4-4. J'avais joué une carte. Un land. J'avais joué un land, j'ai perdu. C'était intéressant comme game. Très instructif. Le fight est pas si mal, je pense. En fait, ça me permet d'attaquer. Ah, non.
Ah. Ou alors je lui donne un poisson, tant pis. Et on met un marqueur. Ouais. Ouais, bah ouais. Je connais ça, j'ai essayé aussi, hein, de faire des petits. Bon, j'ai pas beaucoup. J'ai pas trop insisté, hein, mais j'ai tenté de faire des decks un peu fun. Enfin, pas fun, mais. À thème, comme tu dis. Y a rien qui fonctionne. Bah, c'est pas que ça fonctionne pas. Si, y a des trucs qui fonctionnent, mais. Comme tu l'as si bien dit, c'est chiant. Mono Red, Boros Convoque, Mono Red, Boros Convoque. C'est pas facile. Golgari aussi, j'ai l'impression de croiser tout le temps la même chose. Golgari et Atraxa. Là, je pense qu'on a gagné. Hein. On va faire double mentor, ça va être assez cool. Allez. Ouais, il y a l'option, je l'ai croisé aussi, le Boros Control, 4 fins du soleil, 4 confinements. C'était pas très fun non plus. Ouais, c'est sûr, Atraxa et Golgari, tu peux jouer des trucs, mais c'est juste, c'est toujours la même chose, quoi. Alors, faut trouver un deck qui contre tout ça, en fait. Mais ça reste chiant parce que ça te force à jouer plus ou moins le même deck. Dans tous les cas, ouais, j'arrive pas moi. Je n'y arrive vraiment pas avec cette méta standard. Ouais, j'envoie tout, hein. Bref. Enjoy. Salut Hérode. Ouais, c'est ça monte, hein. Ouais, je le redis encore une fois pour le kiff, hein, mais voilà ce qui se passe quand on ne met pas sur des formats comme OTJ. Des formats totalement bullshit où il faut juste avoir de la chatte. T'as pas de jouer auteur souvent. Bah, c'est pas évident, j'ai essayé. J'ai fait un draft avec, un draft Izzet. Mais il faut avoir le pack. Hein. Il y a trop peu de cartes bonnes dans ces deux couleurs en fait. Qu'est-ce qui pourrait me faire de désagréable? Plein de choses. Si je joue ça, j'ai plus de mana vert. Faut que je fasse gaffe au mana vert. Donc, du coup, il va falloir caler ça avec 3 bleus. On va voir s'il a une réponse. Il a pas l'air. Ok. Est-ce que je fais mumuse avec ça? On pourrait là-dessus. Ça me choque pas.
Ça permet de mettre 4 dégâts imbloquables. Et pour ces 4, il peut pas. Go, envoyer ces deux-là. Et on va prendre la 4-5. Pour ouvrir la voie au reste. Je pouvais envoyer les deux, mais il bloque là, et je me retrouve. Je mets seulement un dégât, c'est pas bon. Faut pas l'envoyer la 4-4. Bien sûr, l'exil, on ne le fait pas. Parce que c'est un jeton et que ça va mourir. Mais on peut refuser, on n'est pas obligé de faire l'exil. Moi je veux juste les dégâts imbloquables. Refuser. Je comprends pas trop pourquoi il l'a laissé passer par contre alors qu'il pouvait juste double bloc. J'avais plus de mana. Ok. Ouais. Mais c'est quoi le but de la manœuvre? Bah il y a l'étal. Hein. On a gagné. Il est têtu, hein. Ah frérot, je sais très bien que c'est fini là. Tu joues à quoi? Ah ouais. Comment tu écris les tricks de combat? Bah, faut juste avoir un minimum de créatures, quoi. Si t'en as environ 14, c'est bon. Oh, je réfléchis pas trop en général, ouais, à ce genre de choses. Enfin, je réfléchis en fait quand j'ai le choix entre des removals ou des tricks de combat. Si j'ai le choix, je prends plutôt des removals. J'évite d'avoir 5 tricks de combat avec un removal. 14 en moyenne, ouais, idéalement. C'est le minimum syndical dans un deck normal, on va dire. À part dans des decks full spell, full contrôle, il y a moyen de réduire un tout petit peu le nombre, passer à 13 ou 12. Ah, par contre, je compte les sorts qui créent des créatures comme des sorts de créatures. Genre Carrot Cake pour moi c'est une créature. Le sort à 3, la rituelle qui fait 3 lapins, ce genre de truc c'est des créatures à mes yeux. Soit l'un, soit l'autre, remove ou tricks en gros. Ah, je préfère removal en limité. En draft, je préfère clairement removal. Après, si j'ai pas le choix, je prends des tricks. Mais... Et après, les tricks de combat un peu faibles, faut pas trop en avoir non plus. Quitte à avoir une carte situationnelle, parce qu'un tricks de combat c'est situationnel, il faut au moins qu'il soit fort. Genre le plus 1, plus 3. Et qui donne portée là, t'as pas envie d'en avoir 3 dans ton deck quoi. Déjà 1 c'est bien. Peut-être 2 si vraiment t'as beaucoup de créatures et que t'as pas eu mieux. Je vois pas mal de tricks.
Bah, ça dépend du deck que t'as en fait. Mais c'est sûr, si t'as Overprotect, le plus 3 vert là. Ah, si t'en as 4 dans ton deck, tu gardes les 4, hein. Il n'y a même pas à se poser la question, mais bon. Est-ce que je peux me permettre de laisser ça? On pourrait faire ça. On pourrait juste mettre un bloqueur. J'ai l'impression qu'il faut pas trop le laisser s'amuser ici. Nous derrière, on peut poser genre ça et faire le fight. Et ensuite tour 5, on a lui. Donc on va être gros sur les prochains tours. Si on peut le ralentir, c'est pas mal. Ah ouais, il passe carrément son tour. Magnifique. Par contre, je suis pas sûr de vouloir faire le fight ici. Non. Bah, il a même pas attendu. Pff. Ok. Holy. Magnifique. Je pouvais pas rêver mieux. Un format où il y a beaucoup de removal pas cher, par exemple, tu évites de jouer à trop de tricks. C'est l'idée, oui. Après, il faut les jouer intelligemment, les tricks aussi. Il y a une façon de les jouer, justement. Ah merde, il l'a cramé déjà. Ah. Hein. Go faire ça. Si on touche le terrain, c'est dommage, mais en même temps, si je le pose et qu'on se prend un removal, c'est un peu relou. On peut juste piocher 5 aussi avec ça éventuellement. Oh, va te faire. Vraiment là? Oula. Calma, calma. Normalement, le truc proc pas vu qu'il a pas son marqueur gangrené. Voilà, ça proc pas. On lui fait perdre un tour là. On va pouvoir glouton du coup. Est-ce qu'on veut pas... Non, on va faire ça quand même. Parce que ça va l'empêcher de jouer trop facilement sa vipère. S'il a pas son sixième land, il peut pas la jouer. Et si jamais il la pose, on peut juste mettre le plus 1 ici. Ok, il n'a pas le sixième land. Ça nous fait gagner un maximum de temps. Par contre, voilà, je l'avais dit, c'est chiant. S'il nous gère la 5-4, la saison va être plus dure à jouer. Ok. Enfin, ça part, hein, je pense. Faut mettre du board. Il faut faire des trucs. Peut mettre vipère en sacrifiant l'assassine, mais en vrai, ça me dérange même pas. Mais il nous faut vraiment notre dernier land, là, le sixième. Faut que je puisse jouer ma saison. Ah, il est chiant. Ouais, bah après, il n'y a pas la vipère au moins. Et on peut toujours copier duo. Ah! Relou!
Bon, lui aussi, il est bloqué. Est-ce qu'il va vipère en sacrifiant son assassine? Ah, si j'avais su, j'aurais pas joué ça, mais bon. Mana. Ah, par contre, ça va. 1, 2, 3, 4 removal. Ah, vas-y là, sérieux? Bon, ceci dit, c'est pas horrible, hein, mais s'il arrive à jouer ça, et là, il va pouvoir, hein, il va le faire, je pense. Tôt ou tard. Un terrain est demandé à l'accueil. Un terrain, s'il vous plaît. Ok, il sacrifie sa 2-1. Après, je peux toujours faire mumuse avec le duo. Go péter ça. Hein. Joseph. On peut faire mumuse. Ah! Eh ben, on a gagné! Alors, les dégâts, bah peu importe, en fait, il y a l'étal, hein, oui. Well played! Non, mais encore un! Encore un! Et ma théorie, mais les gars, je l'ai dit la dernière fois, la saison dernière, ma théorie. Ma théorie sur ces gens qui font ça, regardez! Un platine, un diamant. Des gens stuck. Ce sont des gens stuck. Et qui, selon moi, resteront stuck toute leur vie parce qu'ils comprennent pas, en fait. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour les autres. Qui dit aucun respect pour les autres dit qu'ils se respectent un peu trop eux-mêmes. Et ces gens ne se remettent pas en question. Et c'est important quand on veut progresser dans quoi que ce soit, d'ailleurs, de la remise en question, l'humilité. L'humilité amène à la remise en question. Mais ces gens, ils n'ont pas d'humilité. C'est toujours pareil, hein, no joke. Hein. C'est tout le temps ça. Des gens stuck. J'ai jamais vu un top mythique faire ça. Jamais. Ça fait un an que je joue. Jamais vu. Tous les top mythiques, quand ils ont perdu, ils concèdent. Ils appuient sur le bouton. C'est systématique. C'est QFD. Qui dit ne respecte pas les gens, dit n'a pas d'humilité, dit ne se remet pas en question. Tu joues à Magic que depuis un an? Oui, sur MTG Arena, oui. J'ai joué un peu quand j'étais jeune sur KO Planner, mais c'est très 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 vieux, j'ai pas joué longtemps. Par contre, j'ai une énorme expérience sur Hearthstone. Les TCG, je pratique depuis longtemps. J'ai pratiqué Yu-Gi-Oh, j'ai pratiqué même un tout petit peu Pokémon.
J'ai pratiqué Duel Master, c'est vieux, hein, mais. Voilà! Les gars, 4 games, hein. J'ai joué 4 games, il y en a 2 qui m'ont fait ça déjà. Un diamant et un platine. Mon théorème se vérifie, hein, pour le moment. C'est tout le temps ça. Hein. D'ailleurs, si c'est votre genre, ne prenez pas mal hein, ce que je dis. Hein. C'est pas. Moi, je suis passé par là aussi à une époque. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais manqué de respect à mes oppos. Mais il y a une époque où je me remettais pas en question. Et je progressais pas. Je trouvais toujours des excuses. Oui, mais nanani, nanana, nanani. C'est toujours de la faute de ci ou de ça. Et on se remet pas en question et on progresse pas. Parce que là, je gueule beaucoup, moi, sur MTG, c'est vrai, hein, sur la variance et tout. Mais je me remets quand même en question. Quand je fais des conneries, je le dis. Je le vois. Je prétends pas jouer à la perfection. Il y a plein de games que je perds parce que j'ai fait une connerie. C'est. Ouais, bref. On va pas philosopher une demi-heure là-dessus, mais je vais faire ma petite pause. Du coup, on a 1h12. Et après, on poursuit ça. Hein. Je vous dis à tout de suite. Et hello tout le monde! Ah, je viens de voir ton commentaire, Vajji. Quand ça rope, c'est pas intelligent. En plus, de faire perdre du temps, il est bien joué, ça me rend dingue. Et tout. Bloc. Ouais, bah ouais, mais. Ouais, je répète rapidement avant de relancer, mais c'est vrai que parce que c'est important de savoir ça quand même. Ça vaut pas que pour Magic. Ça marche dans quasiment tout ce qu'il y a dans la vie en fait. Il faut. Le mieux pour progresser dans quoi que ce soit, c'est être humble, un minimum en fait. Ça veut pas dire se rabaisser soi-même, hein. Ça veut dire accepter qu'on ne vaut pas mieux qu'un autre et que les autres ont de la valeur équivalente à la nôtre et que donc. Pour être meilleur qu'un égal. Si je considère que mon adversaire est égal à moi en termes de capacité et d'intelligence, si je veux être meilleur que lui dans une partie, du coup, il faut que je me remette en question. Il faut que j'analyse ma manière de jouer. Faut pas partir du principe que je vais être meilleur et que je vais forcément gagner, du coup, non. Admettons que mon oppo a le même niveau que moi, comment je prends le dessus? Bah, en faisant un play. Plus étudié, plus travaillé, parce qu'on a beau être intelligent, tout ce que vous voulez, dans Magic, ça vaut pour beaucoup de choses. Il y a des. Il y a tellement de possibilités, de calculs, c'est assez complexe quand même, hein, pour optimiser. Donc il faut se remettre en question, tout le temps. Sinon, on ne progresse pas. Hein. Et bon, après, moi, ça, c'est une addition que je fais, c'est personnel, hein, c'est. Libre à vous d'y croire ou pas, mais moi je pense que quand un adversaire fait preuve d'irrespect comme ça, c'est que la personne n'est pas humble en fait. La personne n'est pas humble et du coup elle ne se remet pas en question comme il faut. Et forcément on le voit dans leurs résultats, du coup hein, ils sont stuck. C'est toujours ça, hein, comme je le redis, les top mythiques, je ne les vois jamais faire ça. Jamais. Jamais j'ai vu un top mythique quitter la game comme ça sans capituler. C'est n'importe quoi. C'est. Ah, je respecte toujours mes oppos après, je suis vulgaire. Ça, je le sais, mais ça, c'est malheureusement les habitudes. J'ai grandi à Marseille, on s'exprime comme ça, mais ça veut pas dire que je manque de respect à mon oppo. Enfin, bref. En tout cas, je les considère comme égales à moi. Et aussi. Trash talkant. Ouais, bah. C'est pas fair play en fait de faire ça. Après, il y en a qui, voilà, on peut en discuter. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais. Et à l'arrière, encore, c'est différent de trash talk pour déstabiliser ton adversaire, pour augmenter tes chances de gagner. C'est déjà différent. Là, les mecs qui rage quittent. Ça augmente pas leur chance de gagner vu qu'ils ont rage quit. C'est purement pour faire chier. Ça n'apporte même pas quelque chose derrière. C'est totalement gratuit, juste pour casser les couilles. C'est ridicule. Ah, ça fait 9 mois que je stream. Je crois qu'en 9 mois de stream, j'ai une seule fois fait ça.
Et c'était parce que le mec était insupportable à me spam les trucs. On voyait clairement qu'il se foutait de ma gueule. En 9 mois, j'ai fait ça une seule fois. De pas quitter alors que j'avais perdu. Mais le gars était insupportable. Ouais. Ça trichait beaucoup. Ah non, mais ça. Sans commentaire, la triche. Je pense qu'il faut Tej, j'ai besoin de mon land, et ça va gonfler mon cimetière, bon, pas de land. Il va certainement falloir faire ça, du coup. Je pourrais aussi faire ça et piaf, mais je pense qu'aller chercher le land, c'est important. Du coup, par contre, je peux prendre ça. Je suis pas obligé de prendre la forêt, étant donné que là, on n'a rien à faire avec deux mana. Enfin, deux mana vert. Et on va demander bleu, comme ça, on a la saison qui sera jouable. Ici, on fait ça. On booste grenouille. Lui, je l'envoie parce que j'ai pas envie de bloquer avec. Et la 2-2, on pourrait la garder pour bloquer. Garder l'île, untap? Bah non, parce que je voulais jouer la dru le druide. Ah ouais, j'aurais pu, mais je préfère jouer le druide. Ah. Bah on peut prendre 4 pour l'instant. J'en veux pas, je veux mes landes là. Nice, le fight. Ouais, par contre, ici, je peux pas le jouer, le fight. As! Attendez. Comment ça marche? Est-ce que si je joue le fight, la carte va au cimetière avant que le fight s'active? Je suis pas sûr. Pour la science. J'ai un doute là-dessus. Hein. Après, on pourrait juste attendre. Hein. Du coup. Par contre, je peux au moins attaquer avec lui. Oh là là. Il a vraiment fait ça? Bah ok. Nice. Nice. Il a foutu quoi là? Bah du coup je le tue. Hein. Bah ouais. Il a miss. Yo Charles Botala, yes. Top 14, ouais. Ça se passe plutôt bien en ce moment sur Bloomburrow. Ça change des formats qu'on a eu dernièrement. Après, je repense à ce que t'as dit, Rod, cash grab avec les deux verts pour avoir escort up. En vrai, peut-être que c'était mieux, mais ça m'aurait un peu niqué dans un sens. Du coup, ça se discute. C'est bizarre. Bah, je pense que ton play était mieux, mais j'ai eu de la chance, j'imagine, d'avoir le Havre. S'il n'y avait pas d'île dans mes terrains, si j'avais pas d'île, ça me bloquait pour ma potentielle saison.
Ah, je sais pas. Bah, je pense que si t'avais raison, à mon avis. C'était peut-être légèrement plus correct de faire ça. Faudrait les punir en les faisant jouer contre des adversaires comme eux qui robent comme ça. Bah ça les aiderait pas. Je pense pas que ça les aiderait à se remettre en question. C'est malheureusement la boucle en fait. Les gens... En général, les gens comme ça, irrespectueux, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas été respectés dans leur vie. C'est le chat qui se mord la queue. La punition ne fera pas changer ces gens dans le bon sens. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, il faut leur témoigner du respect. Plus ils verront de gens irrespectueux autour d'eux, et moins ils auront envie d'être respectueux eux-mêmes. C'est pas la solution, la punition. Même si ça démange, hein, c'est... C'est ce qu'on a souvent envie de faire, mais... C'est malheureusement une boucle sans fin. Serpent qui se mord la queue, pas le chat. Ça dépend d'où tu viens, mec. L'expression... Je connais aussi l'expression le chat qui se mord la queue. D'ailleurs, paradoxalement, c'est plus probable. J'ai jamais vu un serpent se mordre la queue. Un chat, oui. J'ai déjà vu un chat se mordre la queue. Plusieurs fois. Je pense que ça dépend d'où vous venez comme région. Ils méritent que ça, je suis pas d'accord. Il y en a, ils sont vraiment insupportables. Ah non, mais... C'est vrai, ils sont insupportables, mais je maintiens que c'est pas grâce à une punition que tu vas leur apprendre à devenir respectueux, mec. Je dis pas qu'il faut cautionner ce qu'ils font, mais les punir, ça n'apportera vraiment rien. Aucun changement positif. D'ésotérisme. Ah ouais, non, mais je te crois, hein, je crois l'expression serpent qui se mord la queue, mais moi je connais le chat aussi. Moi, on m'a appris cette expression-là avec le chat. De toute façon, on s'en fout, vous avez compris ce que je veux dire, les gars. Je pourrais dire le chien qui se mord la queue ou n'importe quoi d'autre. Vous avez compris l'idée. GG, well played. Un système de ban. Ouais, mais tu vois, un ban, c'est pas une punition à proprement parler, c'est une restriction. C'est pas exactement pareil. Psychologiquement, c'est pas du tout la même chose, être restreint ou être puni. Après, sans tomber dans l'exagération. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Salut Choco Charles. Est-ce que je propose des drafts explicatifs pour les débutants? Bah, c'est un peu complexe. J'en ai fait, par contre, si tu regardes dans mon profil Twitch, tu peux accéder à ma chaîne YouTube. Et j'en ai fait quelques-unes de vidéos. Il y en a deux. Pour expliquer comment drafter le plus efficacement possible quand on débute. Ah. Ouais, je pense que ça se garde quand même parce qu'on peut toujours trouver des cartes là, mais ça me plaît pas trop comme main de départ.
Par contre, les landes, comment vous dire là? 8, 6 landes sur 8 cartes. On va avoir du mal à gagner la partie. Ah, c'est mieux déjà. Déjà en attaque. Ok. On remonte ça. Ah, oh, please. Vraiment? Après, on peut toujours faire ça et ça, il peut pas bloquer. Mais ouais, non, je maintiens que punition et restriction, c'est pas pareil. Restreindre quelqu'un, c'est pas de la méchanceté que tu diriges envers lui. Genre, il s'est mal conduit, tu l'empêches de revenir jouer, c'est normal. Mais punir les gens en leur faisant vivre un truc désagréable, vraiment méchant, ça va pas les aider, hein. Pas. Merci pour l'abonnement, Hérode. Merci bien. J'imagine qu'on draw 5. Je me vois pas copier des grenouilles ici. Hein. Voilà, merci Amnesia pour l'abonnement avec Prime. Oh là là! Attendez encore. Voilà, attendez. Attendez. J'ai eu trois notifs en même temps. Train de hype. Ah, d'accord. Alors attendez, focus. Faut que je me concentre 2 secondes là. En vrai, j'aime bien l'idée de mettre le mentor et de garder ça up. Pour le protect, mais on pourrait se rapprocher d'un kill ici. On pourrait aussi script getter. Ah, j'aime bien faire ça quand même. Et on garde 2 manas vert. Non, 2 bleus. Ouais, 4. Par contre, je peux pas envoyer lui, hein. Mais... Pas grave. On peut prendre le kill avec lui. Ouais. Est-ce que je peux l'étale avec ça? Oui. Bah là, du coup c'est gratos, go lui envoyer dans sa main. Ça change rien de toute façon. Well played. En tout cas, merci, encore merci pour les abonnements. Je sais pas comment tu fais pour jouer avec ces landes, j'ai du mal à les distinguer. Bah, je sais pas, c'est une habitude, j'arrive. J'ai pris l'habitude, je me suis fait des repères visuels. Et je les trouve trop fun en fait. Ça me rappelle mon enfance avec les PC, les premières fenêtres, tout ça. C'était quoi déjà quand j'ai eu mon PC Windows Vista? Juste avant, c'était XP. XP. Windows XP. Pour ce... bah, oui, la plupart d'entre vous, je pense, vous connaissez. La base. Le top 10 en détente. Ouais. Ça se passe bien.
Ah, mais ce format, il est trop cool à jouer. L'absence de bombes en trop grande quantité se fait sentir. Hein. Et puis les bombes sont pas si inarrêtables que ça. Il n'y a pas de bonipal. Bonipal et toutes les saloperies innommables dans le genre. C'était juste insupportable dans les autres formats qu'on a eu dernièrement. Il y avait trop de games où on pouvait rien faire. Vraiment rien. On passait notre temps à construire en plus en early mid. Puis d'un coup une carte arrivait sur le board et... Clap clap. GG well played. Bleu. Et ouais, pour les manas verts et bleus, en fait, j'ai mon petit repère. Là, on a un conifère à gauche. Sur la gauche, il y a un conifère et là, c'est un palmier. C'est un peu con comme repère visuel, mais moi, ça me suffit. Au pire des cas, il y a le F de forêt et le I de île. J'arrive à distinguer. C'est vrai qu'au niveau de la couleur, c'est chaud, mais... Trois, quatre. Ouais, bah ça, hein, on a assez de land. Chier, je crois qu'il faut quand même mettre lui. Hein. C'est pas ouf, mais il nous faut de la présence là sur le board. Il va faire mumuse avec sa 1-1. Si j'attends trop, ça va être complexe. Pour 4, il va falloir le paralyser d'ailleurs. Ok. Go. Hein. Go lui bloquer ça. Trop chiant. Enfin, je suis pas très serein pour la game. On a dû cramer deux cartes. Un peu bêtement. On a beaucoup de land. Ok. Du coup, il pioche. Bah, ça change rien parce qu'il peut pas attaquer. Il a juste pioché une carte. Ça me va. J'aimerais juste qu'il pète pas son artefact. Comme ça, je peux le détruire. Ah bah voilà, il en a remis un. Bon, on va en fumer un. Avec le glouton. Ce looter, pour moi, c'est la seule région. Ouais, il est vraiment solide. Ouais, go faire ça maintenant. On va l'empêcher de faire mumuse un peu trop avec ça là. Parce que le fait de les détruire n'active pas le proc. Hein. C'est quand ils sont sacrifiés, pas détruits. Salut Yakamis. Bleu-blanc, moi j'aime bien, mais c'est dur à drafter. Faut vraiment avoir les bonnes cartes. Mais si, si, c'est cool avec les fly en fait dans le format. Et le bleu et le blanc contiennent pas mal de removal. Si t'arrives à avoir beaucoup de fly et de removal, ça peut être très très costaud. Mais c'est pas évident. Il n'y a pas énormément de bonnes cartes. Ça doit être le pire win rate. Bon, faut pas se fier à ça. Hein. En fait, dans ce format, il y a des tribus. Il ne s'agit pas juste de faire un bon deck avec des bonnes cartes pour que ce soit fort. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne et garder en tête le but du deck. Un but de blanc-bleu, c'est de tuer avec des fly et d'avoir plein de removal. Je peux pas envoyer. Ah si, je peux en faisant ça. Je crois qu'il faut le faire d'ailleurs. No joke. On va la booster.
Comme ça, on peut envoyer les deux, il peut pas bloquer. Ou alors il perd sa créature bêtement. Ce qui me va. Ce qui me va aussi, hein. Je dis pas non. Et là, on peut faire des bêtises. S'il détruit ni le glouton ni le mentor, on peut péter son talent. Ouais, c'est ça, c'est cher le draft, mais quand tu commences à maîtriser, tu vas vite compléter les sets. Et après, tu peux t'amuser. Ah, j'ai toute l'édition de Bloomburrow, il me manque juste quelques mythiques. J'ai toutes les communes, toutes les uncos, toutes les rares en x4. Et j'ai acheté 0 booster. Ah! Ah! Ok. Ouais. Ah, il me fait un peu chier lui. Ok. Denis Brognard sort de ce corps. Ah! Ah, c'était nécessaire le A. La saison, elle a bien cassé les burnes. What? C'est quoi ce deck qui joue? Il est bizarre son deck. Je crois qu'il a juste mis des bonnes cartes. Il a même pas vraiment réfléchi à une synergie. Il a mis des bonnes cartes. Et voilà, ça fait un deck. Mais c'est pas la meilleure chose à faire. Bon, au moins, il a ciblé ce que c'était que les bonnes cartes du format. Mentor, c'est fort, talent, c'est fort, Détrousseur, Saison, Prophète, il y a des trucs cool. Ok, on va pouvoir Glouton péter son enchantement. Ah, il manque une carte au cimetière pour lui. Si je fais ça en 5-5, il est obligé de donner les deux. Ça m'arrangerait. Je pourrais aussi laisser le talent. Est-ce que je fais pas glouton en mode plus 1, grenouille plus 1, et on a une 6-6 qu'il ne peut pas tuer à moins de mettre toutes ses cartes. J'ai le sentiment que c'est un peu mieux. En vrai, péter son enchantement ici, ça sert à rien. Là, il doit se défendre. Son enchantement ne l'aide absolument pas à se défendre. Là, c'est soit il prend 6, il a 4 points de vie, j'ai potentiellement létal. Soit il met ses 3 créatures. Et ça ne va pas lui faire plaisir non plus. Très haut sur la grenouille. Ouais, elle est très très solide. Le blink est cool. Le fait que ce soit une 4-4 portée pour 4, déjà, c'est pas horrible. En plus, le blink met un marqueur. Bon, c'est un petit bonus, mais on prend, hein, toute forme de bonus. Ok. Comment il gère ça là? Est-ce qu'il a pas troll? Il vient de troll là, on est d'accord. En plus, mon rat va le. Bon, il le sait pas ça, mais mon rat va complètement l'empêcher d'attaquer normalement. Ah non, parce qu'il y a le talent. Après, je peux toujours blink. Attendez. Bah ouais, well played, à moins qu'il ait le removal à un mana bleu. Ah non, il a du mana. Attendez. Mais pourquoi il l'a pas. Je crois qu'il est en train de m'offrir la game là. À moins qu'il ait un removal. On va voir ça. Oups, bah oui, oups. Ah, il est peut-être en train de me bluff, hein. Attention.
Non, il bluffe pas. Ah, il aurait dû tenter le bluff. Ah, il n'y a pas besoin. On va pas BM. Go terminer ça. Et ouais. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais il aurait dû compter quand même. Il pouvait survivre. Bon bah 7-1. Grenouille OP. Coucou YouTube. Oh, c'est la fin de la vidéo quand je vous dis ça, mais ça va aller sur YouTube, hein, no joke. Pourtant, le deck a pas l'air si ouf que ça. Enfin, il est fort, si. Ça se voit que c'est un bon deck, mais. C'est un easy. Ah, si, c'est vrai quand même. Deux fois ça, deux gloutons, mentor, saison. On a même des le duo removal de qualité. Removal de qualité, pareil. 4 druides, prophète, scribe. Le scribe, d'ailleurs, on n'a même pas joué avec, mais bon. Ah, si, si, le deck est costaud. Ok.